Dedans depuis tout petit, et puis ça changera pas, quoi. Puis faut reprendre la ferme, quoi. Enfin, bon, non, je me vois pas aller en usine, par exemple. C'est pas bon, faut que être dehors, faut que je bouge. Enfin, faut, bon, non, ça reste familial. Enfin, je voulais faire ça depuis tout petit. Et nous, on a sauté sur l'occasion pour reprendre cette ferme. Et ça nous tenait vraiment à cœur que je parte d'agricole. Du coup, mes parents se sont installés. Ma mère s'est installée. Et le but, c'est que je m'installe avec ma mère dans l'agricole. Au jour d'aujourd'hui, c'est mes parents qui travaillent dedans. Bon, je peux leur dire non, je reprends pas, que c'est un autre qui reprend. Un gros investisseur qui reprend tout. Bon, je veux vraiment évoluer dans la propre ferme. Aujourd'hui, le monde agricole, je le passe au travail à perte. C'est le coût du litre de lait à produire est de 34 centimes et il est vendu à 30 centimes. 8 vaches à l'époque, c'était très bien. On vivait, la famille vivait. Au jour d'aujourd'hui, 100 vaches, personne vit. C'est compliqué de vivre avec 100 vaches. Et le coût de main-d'œuvre est très important. Pour moi, agriculteur, c'est vraiment nourrir la planète, quoi. Enfin, s'il n'y a pas d'agriculteur, il n'y a rien de magasin, quoi. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Mon grand-père, il était double actif, donc il avait déjà une petite exploitation. Et puis pour sa retraite, il avait pris des brebis. Et puis voilà, moi ça m'a plu d'être en contact avec les animaux. Les bienfaits de mon métier, c'est avant tout la liberté. Parce que quand il faut aller chercher ses bêtes, auprès, on est quand même assez libre, on est au contact avec la nature, avec les animaux. Quand on ne voit pas de maison autour, ça fait plaisir parce que tu te dis, il n'y a pas de maison, tu écoutes les oiseaux chanter, si tu as de la chance, tu vois des faisans, des choses comme ça. C'est cool.
Venez. Venez vite, allez. Venez vite, les filles, allez, venez. Venez vite, allez. Venez vite, les filles, allez, venez. J'ai toujours à peu près baigné là-dedans. On était un petit village où il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Donc, quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre qui n'a pas le droit de sortir, bah, t'as vite grand-chose à rien faire. Quoi. Donc, après, il n'y a pas grand-chose à faire dans les petits villages. Donc, tout de suite, tu vas voir les agriculteurs. Ils sont contents de voir des petits jeunes qui s'intéressent. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à y aller comme ça. Puis, au jour d'aujourd'hui, bah, j'essaye d'en faire mon métier. Le patron, il m'a mis le nez dedans, il m'a vraiment fait découvrir ce que c'était les contraintes du métier, que l'agricole, c'était pas que monter dans un tracteur et puis traire des vaches, c'était vraiment de la gestion, c'était vraiment un boulot où il fallait avoir les épaules pour, parce qu'il n'y avait pas de jours fériés, pas de vacances, une vie de famille, c'est compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose où il m'a vraiment, je dirais pas qu'il a essayé de me faire peur, mais qu'il m'a vraiment montré ce que c'était vraiment l'agricole. C'est pas un métier où tu te lèves le matin, tu dis demain je suis agriculteur, c'est vraiment faux. C'est de la passion, tu vis pour tes vaches, tu vis pour ton boulot, tu dévoues ta vie en fait à ton boulot. Donc il y en a que ça peut apeurer, d'autres faut être prêt à pouvoir le faire. Ce métier, c'est un métier divers. Chaque jour, on ne fait pas pareil. Quoi. Mais c'est un métier, par contre, qui est compliqué. Il y a les saisons, il y a le salaire. L'hiver, on peut se lever plus tôt parce qu'il y a l'heure du pansage. Et l'été, on peut se coucher tard parce qu'il y a les travaux dans les champs. Donc, même s'il fait beau, il faut aller travailler. Même s'il pleut, il faut aller travailler. N'importe que ce soit le temps, faut qu'on aille travailler quand même. La place des femmes dans ce monde, dans ce milieu, c'est un peu compliqué parce qu'on est souvent rabaissé. Ils pensent qu'on est moins capable de faire qu'un homme, alors qu'on est capable autant. Mais de jour en jour, maintenant, il y a des femmes qui s'installent en tant qu'agricultrices, alors qu'avant, il y en avait moins. Puis après, il faut passer au-dessus des critiques et en faire une force. Le regard de la population, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est critiqué, on est mal vu. Pour nous, on a l'impression qu'on est des pollueurs, des assassins. On nous met au milieu d'une ville, on se fait caillasser, quoi. En gros, c'est ça maintenant. On n'a plus les mots pour. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, j'ai même plus les mots. Enfin, j'ai pas les mots, tiens. Au jour d'aujourd'hui, on sort avec un matériel, on a l'impression de se faire. Enfin, même moi, je me suis fait caillasser par un tracteur parce que je tournais à 21h30 et puis normalement, c'est à 21h que ça se finit, quoi. Je me suis pris une grosse motte de terre dans le capot et puis ça a pété la vitre, quoi. En voyant cette altercation, je me suis dit, mais. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je continue là-dedans? Si c'est tout le monde comme ça, pourquoi continuer? Puis dans tous les cas, on n'a pas le choix de continuer.
Il y a des gens, je pense, qui voient notre métier bien. L'agriculture française produit de la qualité. Et puis d'autres qui pensent que... qui voient sur les réseaux sociaux des vidéos peut-être moins bien que les associations montrent. Et puis ces gens-là, ils pensent qu'on est tous dans le même sac, en fait, et puis qu'on est juste des pollueurs. Certains disent même des assassins. Et puis, faut comprendre la personne qui regarde cette vidéo. Si elle voit, par exemple, dans l'élevage, les associations comme L214, c'est vraiment... Tu dis, wow, ils font ça et tout, puis vu qu'il n'y a rien en parallèle pour faire montrer la réalité, forcément que les gens vont penser ça, quoi. Faut fermer ces écrans où on peut tout transformer via les réseaux, les choses comme ça. On peut faire un montage, enfin... Et puis aller voir la réalité où il n'y a pas de montage, où les gens, on se parle en face, on communique de manière simple, efficace, où on voit la réalité et puis... Puis vraiment, aller voir sur le terrain ce que ça donne vraiment et puis arrêter de regarder toutes ces vidéos, photos de gens qui veulent détruire notre métier au final. Le problème, c'est quand le consommateur et le producteur, il y a un manque de dialogue. Donc, tout de suite, on voit on peut voir des images qui ne représentent pas du tout de ce qu'on fait, de la réalité de notre métier. Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des structures qui se font comme l'Inde ferme en ferme. Donc, plusieurs agriculteurs de l'Inde se regroupent. Il y en a un peut-être à Bourg qui peut proposer... une ferme en porc ou en volaille avec un repas ou quoi. Dans leur région, au budget, tout ça, il peut proposer pareil, mais un atelier en vache laitière. Donc les gens viennent, discutent avec l'éleveur du pourquoi, du comment il nourrit, pourquoi la vache est comme ça, si elle reçoit des soins. Même parfois les questions taboues, est-ce que ça mange de l'OGM, est-ce que les piqûres, tout ça. Donc là, c'est vraiment là que ça permet de pouvoir dialoguer avec les gens, leur expliquer ce que c'est réellement notre métier. C'est dommage d'y manger et pas en laisser. Et pouvoir ruminer, donc c'est une machine qui est relativement efficace et qui tourne tous les jours. Pour le confinement, je pense que ça a amené pas mal de nouvelles choses. Le consommateur a commencé à regarder, ils avaient plus de temps pour eux, moins de temps au travail. Donc comme ils restaient souvent chez eux, ils ont commencé à regarder ce qu'ils mangeaient dans leur assiette. Donc ils ont commencé à chercher qui pouvait me donner la nourriture proche de chez moi, manger plus local et manger mieux. Comme beaucoup de personnes critiquent les différentes fonctions de l'agriculture, agriculture intensive, industrielle, biologique, raisonnée. Mais si ces agricultures sont là, c'est que les gens avaient le besoin de ça. Parce que je pense que l'agriculture, ça dépend du consommateur. Si le consommateur décide de manger que des aliments bio, l'agriculture sera obligée de faire seulement des aliments bio. Si plus personne ne veut consommer la nourriture issue de l'industrie, l'agriculture intensive, on sera obligé de plus faire cette agriculture-là. C'est le consommateur qui décide de l'avenir de l'agriculture. De la profession manuelle, on est dénigré, très clairement. On nous sollicite plus à aller vers des bacs professionnels du travail manuel, on nous sollicite à faire de grandes études. Pourquoi? Parce que tu dis, je vais faire des grandes études, sortir de l'étude, j'aurai tout de suite un gros salaire. Non, ça marche pas comme ça. T'attaques en bas de la chaîne. Tandis que nous, en tant qu'agriculteurs, ou peu importe, un métier professionnel, on sait que les échelons, va falloir les gravir, peu importe. Il n'y a pas de ce fait, j'arrive avec un diplôme, je reste place. Je suis fier de faire ce métier, c'est les valeurs ancestrales de la France, on perpétue, ça a toujours existé, il faut perpétuer ce métier. Tous les métiers manuels, il faut perpétuer, c'est l'honneur de la France. Voilà.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Sur la colline, vivre seul dans une maison avec la vue, sous ma raison, sois ma raison. Avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.